Web. Alors, voyage dans une douce brise. Vous devez emporter un objet lors de chaque sortie. Achetez d'abord des onigiri pour voir. Tirez un bâtonnet en bambou pour prédire votre chance. Visiter les ruines. Aujourd'hui est une journée parfaite pour visiter les ruines. N'oubliez pas de toujours le faire avec respect. Lorsque la barre de progression sera pleine, Klee et Albedo reviendront dans la cour et rapporteront des illustrations dessinées pendant leur sortie. Elle est trop belle, Lilu. Grave. Je la récupère. Allez. Vous pouvez sortir deux fois par jour, obtenez vite des feuilles brillantes et partez à l'aventure. J'ai rien compris à ce qu'il fallait faire. Grave cool. Non. Ok. C'est moi où il y a un gros décalage. Ouais, j'ai l'impression que le stream il saute un peu. Ok, je reviens. C'est bon, c'est juste mon aperçu qui bug, mais en soi le stream est bon. Alors, donc, on va choisir un... mais j'ai combien de sous? Ah, j'ai plus de sous. Connectez-vous chaque jour à la page de l'événement. Ok. Donc ça c'est pour les missions quotidiennes, les résines, bon, ça déjà on peut le faire. Voilà. Du coup là je peux acheter, on va acheter un roman léger, on va tirer le bâtonnet. Aller vers l'ouest. Aujourd'hui, la chance se trouve à l'ouest. Rendez-vous au point le plus à l'ouest d'Inazuma. Allez voir du côté de l'île de Watatsumi. Ok. Et donc maintenant, bah, faut laisser le truc tourner, en gros. Bon bah maintenant du coup je vais aller jouer. C'est assez chelou cet event.
Ok. Il y a des questions, paiement et des questions à vous poser. Bon, je ferai ça plus tard. Expire dans 6 jours, ok. Et ça, du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Ah, mais du coup, j'ai la musique de l'event. J'ai plus la musique du jeu. Où est-ce que. Hop là. Voilà. On remarque, je vais quitter ce truc-là. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Voilà. Alors j'ai plein de résine condensée en stock. La sérénité hier. Acheter les minerais. J'ai tellement de pierres que je peux me le permettre. Du coup, l'avantage, c'est que comme j'ai pas mal de pièces, je pourrais acheter des décorations pour les sets. Évidemment, quand la série intérieure sera de nouveau complètement accessible, parce que pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vais aller voir ce que Tobia pour les gyrocristaux. Gyrocristaux que d'ailleurs j'ai découvert il y a peu, qui en avait en fait, qui était caché aussi dans le monde ouvert. Ok, donc là les deux, je les ai pas. Bon, ben, on verra ça demain avec Lyric. Et c'est bon pour ça. On va commencer par les missions quotidiennes. Et après, ouais, il y a la deuxième partie de l'event. Ça, je pense que je vais le faire en 3-4 jours. Bon, c'est pas trop problématique. De toute façon, le pass, je vais pas le finir cette semaine, donc je le finirai tranquillement la semaine prochaine. Alors, route bloquée.
Éliminer tous les monstres et obstacles. Ok. Ok. Queen est sauvée, tout va bien. Alors ensuite, où tout ce poisson? Non, t'en fuis pas. Hop. Ils sont où? Le poisson, ça sert toujours. Éliminer tous les monstres, ok. Ouais, je vois lesquels c'est. Ah bah bien, si je tire entre les deux, c'est parfait. Ça, j'ai encore du mal à ne pas rester trop statique et du coup à éviter de me payer les ennemis qui arrivent derrière. Putain, c'est ouf quand même les dégâts qu'a fait Gagnon. Il y a encore des poissons. Hop là, j'ai récupéré une dizaine de poissons, c'est parfait. Quelques pommes crépusculaires. Comme ça, lundi, je pourrais refaire de la cuisine. Easy. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hello Cosmo! Comment ça va? Bah ouais, ça va bien depuis tout à l'heure. J'ai arrêté Two Point Hospital pour manger. Puis là, retour sur Genshin. Bon, pas jusqu'à 4h du matin. Là, je vais faire un petit stream histoire de faire les trucs du jour tranquillement. Je sais pas trop sur lequel tirer parce que.
Là, du coup, j'ai lancé l'event web. Je sais pas si tu l'as fait déjà. Faut aller se promener. Alors, on est explosif. Non, tu t'en fiches, d'accord. Oh, c'est vrai que c'est des. Je trouve que c'est des primos faciles, hein, ces trucs-là. Mettre sur le toit pour leur tirer dessus. Merde, ils m'ont vu. Ouais, ça va, hein. Vas-y, sors. Sors, je te goume. Il est où l'autre? Les renforts. Hop là. Une affaire rondement menée. Du coup, je vais aller faire l'event Christologie et après, il faut que j'utilise mes. Ah oui, non. Il faut que j'utilise après mes résines parce que là, j'ai du stock. Donc, il faut que j'en fasse quelque chose, tout simplement. Faut que je regarde ce que je dois faire. Ah mais non, putain, je suis con, je dois faire l'océanide. Putain. J'ai perdu l'habitude, du coup je vais pas la faire. À la limite, là avec mes résines condensées, il faudrait que je fasse des artefacts pour Mona. Comme ça, c'est pas perdu. Complètement zappé. Remarque, j'ai quoi? Ouais, j'ai que 250 grosses fiches. C'est pas fou pour monter un perso. Je vais vite tomber en rade. J'ai combien de primo? Oula, non. Une erreur est si vite arrivée. Voilà. Voilà, je suis à 3 vœux sur la perma. Donc, l'event Christologie. On va essayer de faire un bon score aujourd'hui. T'as fait combien toi aujourd'hui? Ah mais oui.
oui, c'est vrai, merci. J'avais oublié. Je me disais aussi. On a plein de blobs eau et glace sur le premier. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Je peux pas. D'accord. Donc c'est glace, électro, eau. Le dernier, c'est un glace, si je me trompe pas. Et ensuite, il y a des robots sur le deuxième. Donc sur le premier, privilégié du feu. Presque 3005. Ouh. Ah ouais, t'as géré. Ok, Yayoimiya, je comprends. Le truc, c'est que Yayoimiya, je la gère vraiment pas. Oh, le premier, t'as fait 4002. J'ai l'impression d'avoir fait nimp. Je vais prendre aussi sucrose. Parce que bon, même si son R2 fait moins que genre Venti ou Kazuha, c'est quand même pratique. Et puis je vais prendre. C'est une bonne question. Bennett. Et dans la deuxième partie, je pense que je vais prendre Ganyu, Xiao, Hayato. Après, j'hésite. Keshing ou Yaemiko. Allez, Yaemiko. Et ensuite sur l'irradiation, c'est la même chose qu'hier. Ça a l'air. Du coup, je vais faire la même chose qu'hier. Non, c'était pas ça. Non, c'est différent. Ah oui. Je vois la différence sur le dernier. Ouais, effectivement, non, c'est pas la même chose, t'as raison. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, une irradiation est déclenchée lorsque le personnage déployé utilise une compétence élémentaire. Là, je lui ai mis. Les dégâts d'attaque normale du personnage augmentent. Ok. Une irradiation est déclenchée lorsque le personnage déployé touche un ennemi avec une attaque normale. Moi, ouais, la vitesse d'attaque, j'avoue, je m'en fous un peu. Je pense que je vais tous les mettre là-dessus. Allez, je vais faire ça. Franchement, je sais pas trop si c'est le bon truc, mais. Ok. Bon allez, j'espère faire un peu plus qu'hier quand même. En plus là, avec les scores que toi tu me dis que t'as fait, je me sens toute petite.
Ah, les oiseaux mimiqueurs là, ils font grave mal, mais l'avantage c'est qu'ils ont zéro vie. Alors ça là-dessus. Je pensais qu'il allait avoir plus d'ennemis d'un coup. Oula, je l'avais pas vu venir sur. Ah, elle est quand même pas mal, Rotao, hein. Les dégâts qu'a fait Zinkyu, d'accord. Accès à la seconde moitié. J'ai pas pris de feu du coup, je viens de m'en rendre compte. Zinkyu applique constamment l'hydro avec son ulti. D'accord. Ouais, du coup, les deux couplets sont effectivement intéressants. Effectivement. Tra là là. Franchement, son R2, je le trouve grave cool. Parce qu'il du coup, il en esquive les attaques. Alors, pas trop lourdes, mais quand même. Comme j'aime beaucoup Xiao qui peut esquiver des attaques au sol en se projetant en l'air. J'aurais vraiment bien aimé l'avoir quand même. Merde, je suis pas du bon côté. Ok, j'ai fait 2002, 2020, pardon. C'est déjà mieux qu'hier.
C'est déjà mieux. C'est cool parce que en soi, ça permet de tester les personnages dans d'autres types de donjons. Cool. Les primos. Et donc ouais, je vais aller faire une cyanide. Attends, j'ai besoin de me soigner ou pas? Je suis comment? Non, oula. Je vais aller regarder là l'event web où ça en est. Du 22 au 28. Ok. Ah. J'ai récupéré des petites moras au passage. Donc ça, du coup, j'ai pu récupérer ces trucs-là. Coucou, petit renard. Bon, bah ok. Quelle heure? Déjà 23 h. Non, je suis pas du bon côté. Ni de haine. Oh bah comme tu veux, ça va. Franchement, le CNI hier, je l'ai fait toute seule. C'est vrai que fut un temps où j'en chiais pas mal quand même avec elle. Bah maintenant ça va. Berkeley Ventweb. Mais ça fait des petits moras. C'est cool. C'est cool les petits moras. Alors par contre, je vais quand même prendre ma bouffe. Sait-on jamais. Yes, t'inquiète. L'esquive, c'est pas ça. Hein. Après, les crabes de l'enfer, là, en plus. Bon, ceux-là, ils ont moins de vie. Oula. De toute façon, le cyanide, comme on est obligé de passer par toutes les étapes, c'est pas un boss où vous. Tu sais, c'est vrai que t'en as où effectivement c'est intéressant d'être d'envoyer du pâté d'un coup. Franchement, le cyanide, de toute manière, t'as toutes les étapes. Hein. T'as vraiment pas le choix. Ah merde. Ok. Mais ça va, oui. Parce que par contre, ouais, t'en as, putain. Moins tu fais d'étapes dessus, mieux tu te portes. Hein. Genre la Shogun l'autre jour qu'on a fait là, qu'on a fait vite du coup, c'était grave bien. Parce que vu comment elle fait mal, c'était quand même mieux. Hein.
Merde. Ah bah oui. Alors, 3, yes. Bon, je vais le garder parce que c'est de la maîtrise élémentaire. Je verrai plus tard si j'ai mieux. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec toutes mes résines? Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Enfin, beaucoup, évidemment, j'en ai 5. Bah, peut-être pour le donjon, ouais. Il faut juste que je regarde ce que je vais faire. Si j'arrive à bien me caler. Hein. Je regarde parce que soit je fais des donjons, soit je fais des fiches. Faut que je vois ce qui. C'est chiant les lunettes et le casque, ça fait pas bon ménage. Donc, pardon. Alors, je vais juste passer un petit tour. Bon, ça, les aptitudes de ces personnages-là, pour l'instant, elles sont bien. Potentiellement, elles, mais j'ai tout ce qu'il me faut. Donc ça c'est bon. Il y a Emiko, normalement j'ai du stock. Pareil, pour l'instant j'ai ce qu'il me faut. Rutao, elle est déjà suffisamment montée. Elle, je vais pas la monter plus. Rosalia, rien que pour que son super montadis, j'aimerais bien l'avoir. Avoir plus de constellations, c'est à quelle constellation? Ouais, c'est la constellation 5. Ouais, rien que pour ça, au moins, t'as pas besoin de monter ses aptitudes. Bennett, c'est suffisamment monté. Ça, c'est bien monté aussi. Je pourrais peut-être faire un peu mieux, mais bon. Déjà, là, c'est à 11, c'est pas mal. Ouais, donc là, en fait, au niveau des aptitudes de tous les personnages que j'irai potentiellement utiliser, je suis bien. Je vais vérifier les artefacts. Ils ont tous. Bon, Rosalia. Décidément. Rosalia, de toute façon, dans l'idée, je pense pas l'utiliser. C'est bon, hein, ils en ont tous. Ok. Donc, je peux me concentrer sur Mona. Les autres sont. Ah! J'avais pas fait gaffe que je pouvais commencer. Moi, je continue mes Océanides tranquillement, mais en fait, je peux déjà la monter. Hop, niveau 50, du coup, je peux encore l'élever. Du coup, je peux récupérer une pierre. Cool. Et donc là, il me manque deux océanides. Donc, bah, dans l'idée, là, je vais les faire maintenant. Ça, il faut que j'aille transformer des pierres. Au niveau de son arme, on est bon. Au niveau de ses artefacts, il me semble que ils sont pas mal ceux que j'ai réussi à lui trouver. Et donc, c'est les aptitudes. Ok, donc c'est ça ses aptitudes à elle. C'est les boucliers. Bah, let's go. Comment ça, niveau max atteint sur. Ah non, c'est parce que c'est ça. Ça me fait toujours bizarre quand ils inversent des fois les trucs. Ok. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder le calculateur
sur mon téléphone pour voir ce que j'ai en stock ou ce qui manque. Voilà, j'ai déjà niveau 4 sur toutes. On va aller faire un petit tour là pour voir les éléments à regarder. Comme ça, je saurai plus en détail ce qu'il me faut. Alors, c'est vraiment bien ce truc qu'ils ont rajouté du coup. Donc Mona. Alors, au niveau des thunes, j'ai ce qu'il me faut pour la montée à 90. Au niveau des champignons, je crois qu'il faut que je refasse un petit tour. Ouais, c'est ça. Il m'en manque 19, donc juste un tour grossier et j'aurai tout ce qu'il me faut. Par contre, les fiches, il m'en faut 312 comme ça. Parce que ça fait combien? 432 divisé par 4. Plus 182. Je suis à 290. Il m'en manquera un petit peu. On va aller transformer les pierres. Bon, de toute façon, les pierres, généralement, c'est ce qui me manque le plus. C'est ce qui me fait défaut généralement. De toute façon, c'est bien pour ça que on utilise les géos pour les transformer. Voilà. Elles sont où, là? J'en ai 4, il m'en faut 9. Bon, déjà là, ça va être problématique parce que l'eau, là, j'ai quasiment plus rien. Il me reste un petit peu de géo, mais pas beaucoup. Ça va être un peu la dèche. Ensuite, les nectars. Oh là là, va falloir que je me coltine des... Ah, non. Je vais pas avoir besoin de faire des fleurs mensongères a priori. Parce que ça, il m'en faut 18. Ça, il m'en faut 36. Oh putain, j'ai déjà oublié combien j'en avais. Ouais, j'ai vu ça effectivement pour Splatoon. Donc ça, il m'en faut 33. Donc 33 x 3, il faut 99 ça. Donc comme il faut 99, donc il m'en faut 10 et il m'en faut 18. Donc 28, 28 x 3, 54. Bon, si, il va m'en manquer aussi. 18, donc il m'en faut, je peux en utiliser 71. Je viens de faire un calcul très très chelou. Je viens de faire n'importe quoi. Ouais, c'est vrai que la sortie. La sortie de Splatoon à la rentrée, je sais pas. Bon, après, comme ça. C'est pas très loin de Noël aussi, peut-être qu'il y a une volonté. Ouais, si en fait je vais être en rade de nectar. Oh, fais chier, va falloir que je me coltine des comment ça s'appelle, des fleurs mensongères. C'était pas ça que je voulais faire.
Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir les nouveautés qu'il va y avoir dessus. Bon, bah concrètement, il faut que j'aille faire des boucliers. Hein. Là, ça va être vraiment. Payer mardi, vendredi. Ouais, bah c'est parfait, on est vendredi. Nickel. Ouais, il va me manquer quand même quelques trucs hein, pour la monter au max. Du coup, tu veux venir pour les donjons? Là, j'en ai 5, du coup, à faire. Me restera une Océanide aussi. Alors, électro et feu. Faudrait un heal aussi quand même. Ah, t'as pris Bennett, ok. Je pense que je vais prendre Rotaou. Ouais, je vais faire ça. Ça me fait penser que j'ai toujours pas testé les nouveaux circuits Mario Kart. Je me suis acheté l'extension, mais je l'ai toujours pas testé. Je pense que je ferai un stream dessus pour tester les nouvelles courses, pour les découvrir. Oh là, je vais pas les connaître par cœur, ça va prendre du temps. Ouais, c'est pour ça que je voulais pas prendre Lion de Fée. Parce que le problème, c'est l'énergie. Que ça me bouffe cette glace toute pourrite là. Ouais, j'étais loin quand même, hein, poussez pas. Hein. Plus je l'aime pas du tout ce donjon, il est vraiment chiant. Ouais, ça a été rapide, merci. Donc ouais, tu joues à Mario Kart? Donne-moi de l'or là aussi. Ou alors plus de petits. T'as pas encore pris le DLC, ok. Mais donc du coup, ça veut dire que tu joues. C'est trop mignon son. Ces papillons là. Ils sont passés où? Là. Ah,
Ça, on est allé encore plus vite là. Ouais, du coup, j'ai hâte de voir ce que vont donner les nouveaux circuits, mais bon, il va falloir que je m'exerce pas mal dessus pour les connaître sur le bout des doigts. Parce que mine de rien, de bien connaître les circuits, ça te permet de te concentrer sur la route, sur les adversaires. Après, le circuit, c'est un automatisme. Le temps que j'ai passé sur Mario Kart. En fait, j'avais un boulot. Bon, c'était il y a un moment maintenant. Mais en fait, on avait une Wii au taf. Et du coup, on y jouait déjà tous les midis. Et généralement pour une pause l'après-midi. Donc je jouais à Mario Kart tous les jours. Deux fois par jour. Donc autant te dire qu'il y avait de l'entraînement. Bon, j'étais pas parfaite hein, sur les circuits, mais nécessairement, ça aide un peu. Ah oui, j'allais dire, il veut pas venir l'autre. Bah parfait. Ici encore deux. Toujours pas pour l'or, non? Il y a des trucs qui vont tomber. Hop. Et le dernier. Ah, un petit or.
Ok. Une affaire bien menée, bien rapide. 5 donjons, même pas 10 minutes, c'est parfait. Ben genre, ça n'aura pas été très généreux en or, mais bon. Let's go faire la dernière Océanide aussi. Bah, tes souhaits. Merci. Je vais prendre qui pour l'Océanide? Yes, merci Zuzpout. Ah non, du coup, comme t'as pris Ginyu, je vais prendre Yaimiko, ça fera. Ça fera une équipe plus complète. Comment ça va, Zuzpout? T'essayes juste un truc. Ok. D'accord. Cosmo, tranquillement. Cosmo est en train d'arriver. Ah ouais, ça me tire dessus, quoi. Attends 2 secondes, il y a un trompignon. Non mais reste le trompignon. Ah bah le trompignon sauvage s'est enfui. Ah bah sympa. Bon les autres, je n'ai pas besoin. C'est pas grave. Allez, let's go. T'as pris qui t'a pris? Ah bah, du coup je vais adapter mon équipe parce que là t'as pris Yann Fée Bennett. Changer avec Ganyu. Arrête de bouger, toi. Mais wesh. Attention à la bulle. Yes. J'ai eu le temps de me heal juste avant que ça disparaisse. Parfait.
T'as y en fait level 70. Ah ouais. Pourquoi elle est pas montée ta Yonfée? Elle est bien Yonfée, il faut la monter. Quand tu vois les dégâts que tu fais déjà alors que t'es que niveau 70, imagine 90. Bon, c'est bon là, le sac à PV là. Merde. Ah bah, nice. Oh, une océanide, oui. Ouais, j'avais encore oublié qu'il fallait que je fasse des océanides. Un dégât critique, mais sérieux, les substats, elles sont vraiment nulles. Ah, il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Génial. Alors, du coup, là, normalement, ma Mona, je peux la monter. 1100 d'attaque. Non, mais en plus, tu fais déjà pas mal de dégâts. Hein. Franchement, imagine. Imagine en la montant. Ok. On est sur une Mona déjà. Déjà niveau 70. Cool. Bon. Il va me falloir des fleurs mensongères. Joie et bonheur. Yes, le double renforcement. On aime quand c'est sur des gros trucs. Bah nice, hein. On va lui monter ce truc au fur et à mesure de toute façon. Du coup là qu'est-ce que. Je vais faire des fleurs mensongères. Parce que ça, c'est un peu la dèche. Enfin, c'est pas la dèche, mais ça va l'être. Vu tout ce que. Vu tout ce dont Mona a besoin. Non, je vais prendre Yonfei à la place de Yamiko.
parce que là, ça prend quand même vachement de temps. C'était pas fifou comme choix. C'est pas grave, on teste, hein. Non, pas la voyageuse. Hop là, ma petite viande de fée. Ah putain, avec ces trucs-là, là. Vas-y. Wesh, on peut me laisser tirer ou comment ça se passe? Yes, merci. J'avais oublié qu'il y a les espèces de petits papillons là, tout relou à cet endroit-là aussi. Du coup, ça fait plus d'ennemis d'un coup. C'est vrai qu'elle a 0 DF gagné, c'est ouf. Ah merde, je croyais qu'elle était morte. Oh, j'y suis allée en mode boss bon. Ok, faut continuer par là-bas. Elle est où déjà? Pas mal avec ma fumée, je vois plus rien. Ah oui, c'est celles qui sont en dessous. J'ai pas le bon perso. Faut que je change en rien de fait. Eh, c'est bon, je peux changer de perso là ou... Non. Et ensuite, faut aller là.
dire que j'ai réussi à vider mes statues 17 l'autre jour. Bon, ça va. Ça m'essaye de m'attaquer alors que je suis en train de regarder mon inventaire. Ça se fait pas. Ah non, ils sont tombés au fond. On a perdu les objets. Mais je suis trop triste. Ensuite, ensuite, ensuite. Allez, ça me marche sur la tête. Hop là, petit poisson, donc je suis là. C'est moi ou on se prend des cailloux? Ah oui, on se prend des cailloux. À la fois du feu sur celui-là, c'est de la glace. Quel truc à côté là, fait le minimum, s'en fout.
Il est où? Bon, là, résultat, j'aurais streamé 20 heures sur le jeu là pendant mes vacances. Je crois que niveau stream, je suis pas mal. Mais bon, les vacances, c'est déjà bientôt fini. C'est fini. Ah, ça marche, j'avais un doute. Bon, ça a fait pas du bois, mais ça fait les fruits. C'est bon, ça va. Je suis en raid et c'est pas prêt de finir. Ah, merde. Bon, c'est pas grave, je suis entré comme à côté de toi. Que là pour aujourd'hui oui je vais venir dans pas longtemps parce que là tu vois j'ai les trucs du jour de toute façon là je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais faire je vais retourner voir là l'event web vite fait qu'est-ce que ça dit. Ma petite clé, elle est trop sous. Yes. Ils sont revenus et ils ont rapporté. Mais oui, mais c'est bon, arrête. Ils ont rapporté un petit renard? Ok. Ok, ça fait des primos en plus. Et je peux faire encore une sortie. Une poupée météo, si vous souhaitez que chaque jour de votre voyage soit ensoleillé. Ou sinon un masque typique d'Inazuma très adapté à l'ambiance de la fête. Non, moi je veux la poupée. Alors, on va tirer le bâtonnet. Qu'est-ce qu'il dit le bâtonnet? Aujourd'hui, vous vous sentez particulièrement énergique, idéal pour faire du sport ou sortir vous amuser. Bah, let's go. Bonne route. Ok, donc après, il faut 6 illustrations. 9 et 12. Comment ça, 12, c'est juste ça? Bon. Bon, ça fait quand même 20, ça fait 50, 80, ça fait 120 primos. Ouais, s'ils avaient donné 40 primos sur le dernier, ça faisait un vœu. Dommage. Donc là, de toute façon, niveau primo, ouais, là j'ai pas. J'en ai 4. J'ai pas de quoi refaire une pierre. Ensuite, au niveau de mes résines, je suis à combien? Je suis à 35. Putain. 5 x 8. Pff, ouais, là j'ai pas. J'ai pas de quoi faire. Une pierre. Une résine condensée.
Du coup, je vais faire une petite ligne énergétique. Pour prendre quelques fiches. Ce sera pas beaucoup. Mais bon, c'est toujours ça de pris. Alors, je nettoie le terrain parce que sinon ces trucs-là je me les paye, je me fais mal, ça me bloque, c'est pas pratique. Donc je les enlève. Voilà. Cool, comme ça en plus il y avait encore des fleurs là-dedans. Combien de fiches? 4 et 7. Bon. C'est pas le max, mais c'est toujours 7 prix. Voilà. Ben ouais, mais je peux pas consommer 10 résines. De ma gueule le jeu. Bah tant pis. Tant pis, tant pis. Ah oui, tiens d'ailleurs. Ma résine éphémère. 9 jours, ça va. Ah tiens, je peux aller donner faire une donation au cerisier. Par contre, comme t'es là, Cosmo, je suis pas sûre que ça marche. Non, je peux pas. C'est bloqué. J'ai quelques sauts géo aussi à utiliser. Yes, merci. De toute façon, là, j'ai fini la bagarre, hein, pour aujourd'hui. Je regarde juste si j'ai des petits trucs comme ça à faire. Yes, j'ai récupéré des pierres. Cool. Grave cool. Et puis mon électrogranum est passé à niveau 10. Quand un électrogranum vous accompagne, vous pouvez bloquer jusqu'à 10 fois les dégâts infligés. Bien. Ok. Donc il y a encore des pierres au niveau 32. D'accord. Bon, en tout cas, ça c'est cool. Les sauts géo, ils s'utilisent. Non. À chaque fois, je confonds. Oui, si, c'est lié. En tout cas, merci pour ton aide, Cosmo. Les donjons, ça a été plus rapide. Surtout ces donjons-là, je les conchis fortement. Ils sont vraiment chiants à faire. Je crois que je suis pas passé par le bon côté. À chaque fois, je me plante ici. Ah non, c'est ça.
En fait, ils sont super durs, je trouve, à cause de la perte d'endurance, là, à cause de la glace. Hop là. Ça fait des moras. 192 000, très bien. Nous acceptons tout petit apport soit-il. Après, j'en ai 6 animaux. Décidément. Je pense pas que ça me rapporte grand-chose, 6 animaux. Ça fait 4008, mais bon, comme ça ils sont utilisés. Ça c'est bon. Je vais aller me soigner avant de partir. Puis là, je pense que j'ai fait tous les petits trucs que je pouvais faire aujourd'hui. On va quand même s'occuper de ça, comme ça ce sera en stock. J'irai faire les champignons anémophiles une autre fois, c'est pas urgent. Ça, on va tous les faire. Voilà. Et je ferai les gros quand j'en aurai besoin. Ça m'en fait 136 comme ça. Et 31 moulins. Ok. Pas moulin. Bouclier. Ok. Bon. Et bah ça va être tout pour moi pour ce soir. Ça aurait été un petit live chill. Rien de fou, je retourne pas dans le gouffre. Mais je reviendrai probablement demain. Je sais pas si je stream. Enfin, quand est-ce que je stream demain? Ce sera encore un peu à l'arrache. Mais je vais en profiter vu que c'est encore un petit peu les vacances. Qu'est-ce que c'est passé vite? C'est fou. Allez. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée, une bonne nuit, et puis je vous dis rendez-vous demain. Des bisous! Merci, bonne nuit à toi aussi.